Alain, propos d'un Normand. Les devoirs d'un citoyen. Grand débat, hier, dans un cercle d'amis où les opinions sont tout à fait libres. Faut-il livrer un criminel poursuivi et qui demande asile? Faut-il, bien plus, se joindre aux gendarmes et le prendre au collet si l'occasion s'offre? Que pensez-vous de ce paysan, d'ailleurs requis, et qui tire un coup de plomb aux jambes d'un criminel redoutable qui s'enfuyait le revolver au poing? Il y a là-dessus une opinion immédiate, assez vulgaire, et qui vient de ce qu'on éprouve de la peur et de la colère en pensant au crime. C'est l'état d'esprit, si l'on peut ainsi parler, de ceux qui mettent un criminel en pièces. Cette opinion peut être souveraine dans certaines circonstances, mais il s'agissait ici de réfléchir, c'est-à-dire de surmonter le premier mouvement de passion, mouvement de chasse, en quelque sorte, qui n'est que machinal et à peine humain. Il n'y avait là aucune de ces brutes redoutables qui lynchent en pensée. La première opinion réfléchie fut que c'était le devoir d'arrêter un criminel, le strict devoir, sans quoi l'on serait complice, non pas seulement devant la loi, mais aux yeux de la conscience, complice d'un crime à venir. Et du reste, tout homme peut être requis pour une arrestation comme pour l'incendie. Mais une femme protesta éloquemment. Il est lâche, dit-elle, d'aider les pouvoirs déjà si forts, et qui assemblent peut-être 100 hommes contraints. Il faut bien aimer le métier de policier, pour le faire gratis. Je trouve plus propre de le laisser à ceux qui sont payés pour cela, et j'aurai toujours un mépris décidé pour celui, quel qu'il soit, en amateur et hors de son métier, arrête ou dénonce. Mais quelqu'un dit, ce n'est encore qu'un instinct, qui s'oppose à l'instinct de la défense. Et je trouve admirable ceux qui décident, dans les questions de morale, par un instinct, pourvu qu'il soit bien fort. L'homme n'est homme que par la police sur les instincts, car ils sont bien incohérents. Demain, un instinct non moins affirmatif me jettera le fusil en main contre des Allemands, sans que j'aie seulement le droit de rechercher s'ils sont mes ennemis, ou s'ils ne croient point à la légère que je suis le leur. Et du reste, la loi m'en fait un devoir, que je ne nie point. Ce qui est bien remarquable, c'est que l'instinct qui niait tout à l'heure un devoir assez évident affirme maintenant, et par la même bouche. Et il est bien plaisant qu'on honore le soldat et que l'on veuille mépriser le policier, soldat de tous les instants. Mais, dit un autre, je vois ici l'esprit monarchiste, encore bien vivant parmi nous. Il y a un pouvoir, c'est un mal nécessaire. Parmi ses attributions séculaires, le pouvoir est chargé d'arrêter, de juger, de décapiter. C'est une fonction utile par accident, mais qui nous est étrangère. Le pouvoir est, dans le fond, l'ennemi commun. Celui qui l'aide, sans être enrôlé, payé, et même marqué d'un costume bien reconnaissable, est une espèce de traître. L'instinct monarchiste enferme aussi cette contradiction-là, d'adorer le pouvoir et en même temps de le mépriser. Mais tout citoyen est responsable des actes du pouvoir. Nul n'a le droit de se laver les mains. Tous nous emprisonnons, nous jugeons, nous guillotinons. Tous nous sommes partis de la force publique. Et, comme nous nous levons tous pour l'innocent et pour les formes légales, ainsi nous fermons la route aux criminels qui s'enfuient. Devoir de roi. Nous sommes tous rois. Et, par un de ses côtés, l'esprit monarchique rejette cette charge des affaires publiques et la laisse aux compétences. C'est par ce détour que le monarchiste tient pour la liberté individuelle, en un sens, et laisse l'ordre au roi, comme il laisse la morale au prêtre. 26 septembre 1913.